Bonjour les garçons. Bonjour maman. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Oui, moi aussi Dougie. Dougie aussi, tu vas bien? Oui. Coucou Dougie. Dougie il va bien et Urso il va bien aussi, il fait dodo. Alors les garçons, aujourd'hui on se retrouve, pourquoi? On va faire une routine confinement. Eh oui, donc vous êtes beaucoup à nous demander comment se passe notre confinement chez nous. Donc bah oui, parce qu'on est tous en confinement. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est le 5e jour pour nous de confinement. Donc il y en a, ça fait plus longtemps hein, parce qu'il y a des coins en Bretagne et tout ça où ils étaient, oui ils allaient aussi, mais même en France où ils étaient déjà en confinement avant nous. Donc nous c'est notre 5e jour de confinement. Et qui dit confinement dit bien évidemment école à la maison. Très très important bah, pour assurer le suivi scolaire en fait. Parce que si on imagine bien que si les enfants ne travaillent pas bah, pendant tout le temps du confinement, ils vont bien évidemment perdre leur capacité je pense. Donc du coup, nous on fonctionne, bah, on va vous expliquer aujourd'hui comment on fonctionne. Donc là les garçons se lèvent à 9h la semaine. Donc le week-end ils dorment autant qu'ils veulent. La semaine ils se lèvent à 9h. Bon voilà, on prend quand même le temps hein, le soir. Voilà, on se couche pas aussitôt que d'habitude. On prend le temps, on profite. Voilà, le but aussi hein, c'est qu'on se retrouve en famille hein. Voilà, on profite de la famille. On profite tous les 5. Et du coup on se couche pas aussitôt que d'habitude. Donc on ne se lève pas aussitôt que d'habitude. Donc voilà, on se lève à 9h, enfin je dis 9h mais des fois c'est même 8h, 8h30 selon leur état de fatigue. Et du coup après on déjeune, donc on déjeune en famille, on déjeune tous les 5. Donc bah là on va pouvoir passer à table pour le petit-déj. Oui. Allez c'est parti, on se retrouve au petit-déj. Alors voilà, nous sommes donc en train de prendre le petit-déjeuner. Donc Cody il a son chocolat chaud, les garçons brioche, jus d'orange, tout ça. Donc on déjeune et ensuite viendra l'heure des devoirs, enfin de l'école à la maison. On confond un peu devoir école à la maison. Mais du coup voilà, après on fait l'école à la maison. Ils se réveillent tranquillement, ils déjeunent tranquillement et ensuite école à la maison. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Oui. Bon petit déj les garçons. Merci. Alors voilà, ça y est, l'école à la maison a commencé. Donc déjà avant qu'on puisse commencer l'école, moi j'ai une bonne demi-heure de préparation pour préparer voilà, l'école du jour. Donc Tino et Lenny, ils ont des fiches à faire tous les jours. En fait Tino et Lenny, on travaille sur un site internet, c'est Benelux School. Donc c'est la maîtresse qui nous a donné des identifiants et tout ça. Et en fait tous les jours il y a un cahier de texte, donc comme le cahier de texte à l'école, et il y a la liste de tout ce qu'il y a à faire. Donc aujourd'hui, vendredi, dictée, numération, vocabulaire, dictée, résolution de problèmes, anglais et la correction d'hier. Donc du coup, voilà, ils ont pas mal de choses à faire aujourd'hui. En général, en travail vraiment effectif, il y en a pour 2 heures pour Tino et Lenny. Donc alors des fois, ça peut être un peu plus parce que ben, comme je peux pas m'occuper des deux en même temps, s'ils ont besoin d'aide, je fais l'un après l'autre. Donc moi déjà avant de les mettre à table, j'imprime tout ce qu'il faut, je prépare voilà, le travail du jour. Donc là c'est toutes les fiches qu'il y a à faire aujourd'hui, la dictée derrière à faire aussi. Donc voilà, j'imprime tout et ensuite ils peuvent passer au travail. Donc c'est bien hein, vraiment comme site, en plus il y a une messagerie, on peut contacter la maîtresse, voilà, on peut échanger, donc c'est vraiment sympa. Et du coup ça leur permet de faire de l'école tous les jours. Là il faut faire quoi? Et bah là c'est est-ce que tu aimes, donc là ils sont en plein anglais, oh oui, donc t'as la fiche. Si j'aime bien les deux ça fait quoi? Et bah bah en fait voilà, c'est tu marques si tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu vois, regarde là t'as l'exemple, donc ils ont une fiche d'exemple et puis ils doivent faire après bah voilà pour les aider. Donc en fait je fais comme à l'école, je les laisse faire et ensuite je dois envoyer les fiches donc du jour à la maîtresse. Donc je les scanne et je les envoie par la messagerie sur Benelux School, donc c'est vraiment sympa. Essaye de faire avec des mots que tu connais, d'accord? Donc du coup voilà, ils essayent de faire un peu comme à l'école. Je les aide pas trop, sinon il n'y a plus d'intérêt. Et puis après on corrige, donc on envoie la maîtresse. Elle dit, alors bah, elle envoie toujours un petit mot, c'est bien, ou il faut changer ça et ça. Et du coup ça, bah, voilà, il y a toujours ce contact avec la maîtresse et toujours la continuité scolaire. Et Cody, lui, et bah pareil, la maîtresse nous a donné du travail, mais des fiches déjà imprimées avant le confinement. Donc tous les jours, il a une petite fiche à faire. J'aime bien. Donc là, aujourd'hui,
c'est un coloriage magique, c'est ça, Cody? Oui. Ouais, donc là, c'est quoi? C'est avec les jours de la semaine. Oui. Voilà, donc il doit colorier selon les jours de la semaine. Donc voilà. Tu y arrives bien? Oui. Ouais. Donc Cody, lui, il a sa petite pochette à lui. Voilà. Et dedans, c'est le travail de Cody. Donc la maîtresse y avait écrit un petit mot. Bah là, pour l'instant, t'as pour 15 jours. Donc ensuite, bon, on verra. Hein. Mais pour l'instant, il y avait pour 15 jours. Ah oui, ça, c'était le premier jour, deuxième jour. Il a des fiches tous les jours. Et bon, là, il n'y a pas de correction puisque, bon, bah voilà, c'est pas compliqué. Hein. Mais du coup, voilà, il a sa petite fiche à faire tous les jours. Donc Cody, pendant que je m'occupe de Tino et Lenny, il fait la fiche qu'il peut faire tout seul. Et ensuite, une fois que Tino et Lenny ont fini, je m'occupe que de Cody pour faire la lecture. Parce que Cody, il est en plein apprentissage de lecture. Donc il a un cahier de lecture là, donc ça c'est moi qui l'ai acheté. Et un autre cahier, donc voilà, il y a toute notre école à la maison qui reste là tout le temps. Et il a l'autre cahier de lecture qui est tout en dessous. Voilà, comme ça, bah, en espérant qu'il va vite savoir lire, parce qu'il a très envie de savoir lire. Donc nous, on utilise ces deux livres là pour la lecture. Et il s'en sort très très bien. Hein, Cody? Oui. Ouais, tu commences déjà à savoir lire des mots, hein? Oui. Et il adore ça. Voilà. Donc du coup, il y a les syllabes à lire, il y a des petits exercices. Il y a plus en anglais. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Donc voilà. J'aime bien la pluie, toi. Donc je vais aller aider Tino et Lenny maintenant. Oui.
la partie travail de la matinée est terminée. Donc du coup, on passe à table et pendant que maman fait les devoirs, c'est papa qui prépare à manger. Donc ça, c'est plutôt cool. Et alors, qu'est-ce qu'il a préparé, papa, aujourd'hui? De la purée et avec du poisson pané. Donc purée de carottes et poisson pané. Ça a l'air d'être bon, les assiettes sont déjà presque vides. Bah, Tino, d'ailleurs, il a déjà fini. Donc ça a l'air plutôt bon, hein. On va bien se régaler. Bah, je vais reprendre. Tu vas reprendre, ok. Donc voilà, la preuve que c'est bon. Alors du coup, voilà, ça m'aide bien, hein, parce que les devoirs, ça prend du temps. Donc papa, c'est le chef cuistot. Et on mange bien. Alors du coup, Cody, lui, cet après-midi, il ne retravaille pas. Ça y est, son travail est fini pour la journée. Il travaille forcément moins que Tino et Lenny. Il est en grande section et Tino et Lenny en CE2. Donc on lui demande pas le même travail, bien évidemment. Dans 3 mois, il passe en CM1. Ouais, et toi, hein? En CP. Ouais, t'as hâte, hein? Bah Cody, il a trop hâte de rentrer en CP. Je vais changer d'école. Ah bah oui, je vais aller dans l'école de tes frères. Oui. C'est trop bien, hein? Et puis je vais les voir à la récré. Ah bah oui, ça t'as hâte. Sinon, Lélie passe leur classe dans 3 mois, mais moi dans 5. Bah non, pareil, en même temps que pareil que l'autre, pareil. Donc du coup, voilà, on finit de manger et ensuite on reprend l'école pour Tino et Lenny. Il reste plus que le français dicté là. Après manger, c'est dicté et après, ce sera fini. Donc après, bah voilà, l'école à la maison sera finie. Et là, après, c'est samedi-dimanche, donc samedi-dimanche, c'est tranquille. On reprendra lundi. Samedi-dimanche, on fait comme à l'école, hein. C'est tranquille, demain, c'est le week-end. Demain, vu qu'aujourd'hui, c'est pas très beau, on va jouer dehors. Ah, demain, s'il fait bon, on pourra retourner jouer dehors. On va pas sortir de notre maison. Ah, bah non, bah notre jardin. Attends. Tout à fait. Confinement, c'est confinement. Restez chez vous. Oui. Allez, on se retrouve après on manger. Le coronavirus. Tout à fait. Et c'est le Covid. Ça y est, nous avons fini de manger et on reprend les devoirs. Alors là, c'est dictée. Donc il y a une dictée, plus 8 mots, plus 2 phrases. Ça va aller? Allez, c'est parti. Et là, c'est dans le cahier de l'école, hein, parce que je pense qu'à votre retour, la maîtresse regardera. Donc là, c'est dans le vrai cahier d'école. Allez, c'est parti pour la dictée. Donc, on est vendredi 20 mars. Donc, vous écrivez la date, vendredi 20 mars. Les devoirs sont finis pour tout le monde. Oui. Donc Tino et Lenny ont fini aussi. Bon, Cody avait déjà fini avant de manger. Oui. Et puis bah, là, voilà, c'est récré prolongé. Du coup, là, l'école est finie. Alors d'habitude, ben, les garçons vont jouer dehors. Mais là, aujourd'hui, il pleut. Et ouais. Donc on espère que le soleil va revenir. Là, aujourd'hui, il pleut. Donc bah, c'est, voilà, on reste dans la maison. Après, on va changer la cage à Crispy. Voilà, donc ils vont m'aider. Et puis voilà, après bah, on joue, on peut faire des petits jeux de société, tout ça, voilà, selon le temps qu'il fait, bah, sinon on aime bien être dehors, hein. Mais là c'est pas possible. Et demain c'est le week-end, donc ils vont récupérer les écrans, pour leur plus grand plaisir, parce que même quand on est en école à la maison, il n'y a pas d'écran la semaine, donc ce sera demain. Et ça, ils sont contents. Les tatamis. Les tatamis? Ah oui, oui, on remet les tatamis pour le week-end, si vous êtes sages. Ça, c'est si on est sage. Donc du coup, voilà. Voici la fin de notre routine confinement. Bah, Dougie, ça y est, nous a rejoint. Lui, il est content. On est tout le temps avec lui à la maison. Alors les chiens, ils sont trop contents. Hein. Crispy et les chiens, ils sont trop contents. Et on est tout le temps avec eux. Alors tu m'étonnes. Eux, ça leur va bien, ce confinement. Bon, alors du coup, on va pouvoir dire au revoir aux copains, les garçons. Au revoir, allez, gros bisous à tous. Gros bisous, Dougie.